Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 43e épisode en Let's Play sur Final Fantasy VII Remake. Dans l'épisode précédent, on a retrouvé Marlène. On a retraversé le chemin pour aller jusqu'au parc, entre le secteur 5 et le parc. Et donc voilà, on s'est arrêté juste devant. On a affronté plein de bandits. J'en ai profité pour apprendre les capacités de toutes mes armes avec Cloud, vu que c'était que des petits combats. Et là, on va voir ce qui va se passer. Waymar! Tu t'en es sorti! J'en reviens pas d'être en vie. Et les autres alors? Je sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant. Ça me redonne un peu d'espoir. Oh, la guigne. J'avoue que je sais même pas par où commencer. Là, il y a un banc. Il y a une musique à acheter. Bon, à la limite, j'aurais presque pu m'arrêter là pour l'épisode précédent, mais comme je savais pas ce qui allait se passer, toujours un petit peu d'appréhension. On sait jamais ce qui peut arriver. Mieux vaut donc bien se préparer. Exactement, on sait jamais ce qui peut se passer. On va racheter des potions, on va racheter. Acheter que 9? Ah non, je l'ai dit, je peux en acheter plus que ça. Je vais en acheter 15. Sois prudent. Ça marche. Le secteur 7? Oui. J'ai laissé quelque chose là-bas. Eh ben. J'ai pas grand-chose, mais jette quand même un œil. Il me suffit d'une nouvelle arme, ça pourrait. Un gros canon. Que je n'ai pas avec barrette. Bracelet de sorcier, ça va être bien pour Aeris. Donc je vais l'acheter quand elle reviendra avec nous. Ah, quoique, ça augmente à peine sa défense physique, par contre sa défense magique, ça l'augmente à... Ça baisse, mais ça augmente bien sa défense... Bon, ah, je sais pas. On va acheter le gros canon. Bonne chance. On va en profiter pour regarder ce que je peux débloquer. Dégâts d'attaque puissante plus 5%, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, donc je vais garder mes points avec mon épée. Lame d'acier, j'ai 16 points.
7, j'ai rien d'intéressant à lui apprendre. Et d'ailleurs, je maîtrise même pas l'esprit de camaraderie. Ok, c'est du 10. Par contre, ça c'est pas mal. Ce que je vois là, c'est pas trop mal. Déjà, je vais débloquer tous les trucs là. Je sais pas ce que ça donne, mais je me dis que c'est pas trop mal. Et par rapport à l'autre, 53-40, un peu moins forte en magie, mais un peu plus forte en physique. Et celle-là, j'avais une défense de 13, alors que là, j'ai plus rien. On va regarder celle-là un petit peu. Ok, bah allons-y. Hein. Enfin, quoi que. On fait un petit tour, on regarde s'il n'y a rien à ramasser. Oh, la guigne. Un petit coffre ou un truc comme ça. Allons dans le passage souterrain. Je pense qu'on passe au chapitre 14 maintenant. Chapitre 14, je sais plus si j'ai dit 4 ou... Même pas. En tout cas, ça non, on n'a pas l'air. Allez, va falloir se lancer. Remonter à la surface. On va enfin pouvoir respirer de l'air frais. Excusez-moi les zombies, j'aimerais passer. Ah, j'aimerais vraiment pas vivre un jour ce genre de situation. Toujours été pauvre et la maison tombée en ruine. Ça recommence.
C'est plus proche que tout à l'heure. T'inquiète. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ? On est là, Barrett, on est là. Quel carnage ! Vous y êtes presque ! Allez ! Ça ne veut pas ! On va vous aider. Marle ! Ah, c'est vous ! On y va. Un, deux... Bien joué. Merci. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme ? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar ? Non. Si vous alliez y faire un tour, déjà. Bon. D'abord le bar, et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Vu l'expression sur vos visages, Marlène doit être saine et sauve. C'est le cas. Merci, Marlène. Il y a des survivants ici ? Il y a, tiens, une matériel rouge. Non, c'est un gyrophare. Si quelqu'un nous entend, qu'il fasse du bruit ! Y'a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et là, on voit le ciel, y'a plus de plateau. Bordel de merde! Il est à Wedge. Tu veux quoi? Oh, le petit chat. Allons voir. Le choix que de pousser. Excuse-moi, Barrett, hein, je te laisse pousser tranquillement tout seul. On y va. Voilà, petit chat. Bon, on va te suivre si on peut. Hé hey, on arrive tout de suite. Alors surtout, reste où tu es. Ça sent la chenara à plein nez, ça. T'as un regard comme ça, en dessous de ta maison, ça va surprendre quand même. Wedge. Maman.
Ce qui est bien, c'est que les cabotis sont, ils sont tombés, mais ils se retrouvent pas en dessous de nous. Tifa! Cloud! Si vous m'entendez, répondez-moi! Ouais! Se débarrasser des obstacles. Lorsque vous contrôlez Barrett, il arrive qu'un icône en forme de mire s'affiche à l'écran. Cela signifie qu'un obstacle pourrait être détruit et proche. Fouillez les alentours pour trouver une marque désignant la cible à détruire. Détruisez l'obstacle ainsi trouvé avec carré. Ces obstacles ne peuvent pas être détruits avec les armes d'attaque à proximité. Ça marche. S'il n'y a pas de passage, je vais en faire un. Bon, il me vendra rien de spécial. Je pense pas être blessé. Enfin, un petit peu aux alentours, mais. Surtout tiens bon, Wedge. Ça aussi, c'est une installation de la Shinra. Il est temps de faire un carton. Allez, hop, ça, c'est réglé. Ça défroye pas mal, hein, son. Oh, j'ai quasiment appris directo. Directement. Ça peut être intéressant. Je suis désolé. Si je peux bouffer des caisses à la Shinra. Quand on vise pas trop, un peu à l'arrache. Les caisses là au bas. Voilà. Il y a des objets, donc autant profiter, des antidotes, des remèdes, des super potions. Je pense que là, j'ai tout cassé. Peut-être pas celle-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres sur l'autre côté du mur? Apparemment non. En discrétion, on va arrêter tout de suite.
Oh, je suis désolé, hein, je tire un peu à l'arrache, mais... Alors, il y a deux choix. Là, je peux remonter. Désolé, hein. Franchement, ça c'est vraiment le truc qui est pas spécialement intéressant à regarder, de voir quelqu'un tirer dans des caisses. Mais pour moi, c'est utile. Je me dis, si je tombe sur un objet intéressant, ça peut être pas mal. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de construire tout ça, ces salauds ? Rien. Là non plus. Aïe. Par contre, on voit pas grand chose. Ok, je peux pas me barrer par là, je peux pas me barrer par là. Et bah, compétence, colère maximale, sur ton copain. Ah, ça a pas marché. Heureusement qu'ils m'ont donné plein d'objets de soins quand même. Bon allez, on va utiliser... Je vais dire une super potion, mais non, même pas. Extra soin. Bon, déjà on n'est pas trop mal, on va lui remettre un petit éther. En plus, je me suis dit, tiens, il y a des cages, il va y avoir des espèces de chiens, mais je vous l'ai pas dit, et j'aurais mieux fait de me méfier. Dégage de là ! Mais jusqu'où ils sont allés creuser, ces connards de la China ? Bonjour, Agnons. Qu'il faut donner la petite musique et des méga potions. Vous entendez un rugissement venant de derrière la porte. C'est quoi sauvegarder? Sait-on jamais? Sait-on jamais. J'ai quand même l'impression que y a une grosse bébête qui va m'attaquer.
courir. J'ai pas envie de me faire bouffer. Alors, là, c'est bouché. Ça, c'est clairement pas très intéressant comme truc à faire, casser les trucs. Là, il y a une échelle pour monter, mais il y a un ventilateur qui tourne. Donc je suppose qu'il va falloir que je coupe le ventilateur. À la manière de Demolition Man, pas Demolition Man, comment ça s'appelle le film avec Stallone? Truc où il est dans le tunnel et puis il rentre par le système d'aération. Un rat de coup de soigneur. Les effets de soin, ok. Je vais retrouver le nom, hein, mais si écoute, il y a un tunnel qui s'effondre et puis pour aller sauver les gens, ils rentrent dans le tunnel par le conduit de ventilation. Mais je ne me rappelle plus. Ouais. Ne tiens pas. Voilà. Ça passe, il y a un regard. Arrête, s'il te plaît. Oui. Je préfère quand on me donne des fils à retordre. Détruire tout ce qu'ils ont construit. Tout cassé. Te tiens, toi. Oh. C'est vraiment histoire de dire, tiens, on vous donne des objets. Alors. Ouais, pas monter. Je vais regarder un petit peu au niveau du temps de l'épisode, où est-ce qu'on en était. Par contre, j'aime pas ces espèces de ruches là. On va réécraser la petite sauvegarde que j'ai faite. Mais j'aime pas trop cette ruche. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas grand chose à faire et puis on va juste traverser.
Tifa ! Hé, hey, Tifa ! Tout va bien ? Tu peux compter sur moi ! Ah ! Ouais, et bah les amis, Tifa, on va la rejoindre dans le prochain épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII Remake. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!